La messe à mémoire de martyrs missionnaires et des personnes massacrées à Béni a été dite par Mgr Sontiria Laura vendredi 22 mars 2019 à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, ville de Béni, République démocratique du Congo. Une dizaine de prêtres, ces religieux et fidèles, ont pris part à la messe. Mgr Sontiria Laura a appelé aux ravisseurs de libérer les otages missionnaires et aux fidèles d'endurer et de pardonner. Pendant la messe, 40 croix en mémoire des 40 martyrs de l'année 2018 ont été déposées par Mgr Sontiria Laura à côté de la grande croix sur les draps rouges. Après, 5 bougies de l'espérance ont été allumées. Il s'en est suivi la fixation des clous sur la croix par Mgr Sontiria Laura pour cibler les milliers touchés par le massacre. Bâtir la paix. Les fidèles se salit les mains par la farine comme acte d'engagement contre les massacres et les changements. La célébration de la messe s'est clôturée par la lecture de la lettre écrite par Mgr l'évêque Paluk Sikul Melchizedek du diocèse de Butembo Beni. Kwa siku ya mafungo na sala kwa kukumbuka wafiadini wa misionari tunayosherehekea kila mwaka tarehe 24 mwezi wa 3 kwa ukumbusho wa mfiadini Askofu Romero, Askofu wa Jimbo. Ukumbusho wa siku hii inatukumbusha tuheshimu wafiadini kwa ajili ya imani, mapadri, watawa na walei wanaojitolea waliopoteza maisha yao 18 kufuatana na hali mbovu ya usalama wa raia na mali yao kwa namna ya pekee katika jiji na mtaa wa Beni. Nakumbuka zaidi sana mauaji na ujeuri, kutekwa nyara, uhamisho, mbafu wa raia, kwa kifupi tuseme vifo, misiba vinavyoendeshwa na watu wakaidi wasio na imani. Mimi askofu wenu naunga sauti yangu na ya Baba Mtakatifu ongea ukimya kuhusu mauaji ya Beni. Ninaunga mkono mradi wa kujenga mnara kwa ajili ya kukumbuka wafiadini na kwa mauaji haya yote kama alama ya ushahidi ushuhuda wetu, kwa kusema uovu huo usitupate tena na ukomeshwe. Pia ninachukua katika sala yangu ndugu na dada wote waliotekwa nyara na kuishi porini mahali kusipojulikana. Ninawasihi wote muwe wajenzi wa amani.